Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être courte, à peine 7-8 minutes. C'est un dessin donc pour une tipeuse. Elle m'a demandé de faire son chat, mais comme sa petite minette lui manque un œil, elle m'a demandé que autant qu'à faire, je dois la faire cyclope. Donc c'est une vidéo vraiment que j'ai fait il y a un moment. Je l'ai même montée il y a quoi, une ou deux semaines déjà. J'avais complètement oublié de faire l'audio. Et au moment où je voulais la poster, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait l'audio. Donc je fais l'audio longtemps après. Ce qui fait que même le montage final, il y a une erreur à la fin. Mais bon, ça je corrigerai au moment venu. Donc voilà, c'est pas un dessin de fou pour le coup. Mais elle voulait juste un petit dessin de son chat. Un chat vraiment adorable. En fait, elle m'aurait pas dit qu'il lui manquait un œil. Je l'aurais pas vu, simplement parce que bon, la photo faisait que le chat dormait, donc vu que le chat dormait, moi je fais comment pour deviner qu'il lui manque un œil. Donc elle m'a dit soit tu lui fais avec enfin normal, elle m'a dit soit tant qu'à faire tu l'as fait en cyclope. Et alors, je me suis dit ah oh, bah faisons un chat cyclope, ça pourrait être très sympa un chat cyclope. Me suis bien amusée à faire ce chat et il y a une chose que j'ai fait que j'ai adoré faire, c'est l'œil. Juste un seul gros œil, gros œil, un seul œil qui est gros. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. Et ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de dessiner un chat. C'est la première fois qu'on me demande littéralement un portrait animalier en fait. Je dessine assez rarement des animaux quand j'y pense. Je devrais peut-être en dessiner plus souvent, à voir. Enfin, en dehors des alpagas, j'entends, hein, voilà. Vous allez me dire, mais Audrey, tu fais des alpagas, hein? C'est des animaux, les alpagas. Oui, c'est des alpagas, c'est comme si vous me demandiez de dessiner un poney chez faire, My Little Pony chez faire. C'est pareil avec un alpaga, je sais faire My Little Pony. Voilà. Le reste, c'est vrai que j'ai pas assez d'entraînement selon moi. Un chat aussi, hein, je sais faire, hein, voilà, j'ai la base, tout ça. Hein. C'est vrai que ça serait bien que je me réentraîne un petit peu à ce sujet-là. J'avais fait quelques croquis dans mon sketchbook sur ça, il faudrait que j'en refasse d'autres. Il faudrait aussi que je termine ce sketchbook, mais je n'ai pas envie de le terminer parce que j'ai pas envie. Mais je le terminerai un jour ou l'autre. Donc voilà. Pour les couleurs, franchement, je suis restée très très simple. Je vais même pas faire la liste en fait en commentaire. Je suis partie sur du warm grey, simplement. Du noir, du gris, voilà, tout ce qui est noir et gris. Beaucoup de warm grey. Pour les yeux, je ne voyais pas très bien quelle couleur c'était. Donc pour les yeux, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait la couleur pumpkin. Donc un orange. Et par-dessus, j'ai mis de la fine tech un peu verte, ce qui donne un reflet très très sympa. Franchement, c'était un test. Je savais pas si ça réussirait ou pas. Mais en fait, voilà, sur le dessin final, on voit l'œil orange, mais avec un reflet vert. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc oui, voilà. Franchement, là, je vous mets même pas à la liste du matériel, comme dit, parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai pas utilisé grand-chose. Alors je vais vous le dire concrètement, il y avait le Warm Grey 4, le Warm Grey 5. J'avais utilisé du Cool Grey 1, 2 et 3 et du noir. Voilà. Et du Pumpkin aussi du coup pour l'œil. Voilà. Pour le fond, j'ai utilisé plusieurs verts, mais je ne saurais plus vous dire lesquels exactement. C'est très... Comment dire ça? Je sais pas comment le dire. C'est très secondaire en fait le fond. Donc voilà, j'espère en faire d'autres un jour des animaux. J'espère qu'on m'en demandera d'autres parce que voilà, c'est sympa. Peut-être que je lancerai des commissions à Noël, pour Noël du moins. Donc sûrement que je ferai un prix pour ce genre de petits dessins. Je sais pas, je verrai. Mais je pense refaire mes prix, oui, pour Noël. Voilà. C'était la petite réflexion inutile. Et
Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dessin. C'est inutile que j'en dise plus de toute façon parce que bah, y a plus grand chose à dire. Du coup, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à réagir, partager si vous voulez, abonnez-vous si vous voulez aussi. Je vais pas vous forcer, si vous voulez pas, ne le faites pas, hein, clairement. Pour ce qui est du reste, je remercie donc tous les tipeurs. Je remercie Raphaël en plus parce que quand j'ai fait le montage sur l'écran de fin, bah, il n'avait pas encore tipé, donc il n'y est pas. Donc je le remercie vocalement. Merci encore à Oriane pour le tip qu'elle m'a donné en août. J'espère que ce dessin de chat te plaît. Je pense que oui. D'ailleurs, tu m'as dit que oui, donc je pense que oui. Et du coup, on se retrouve une prochaine fois avec une prochaine vidéo. Cette fois-ci, promis, j'oublierai pas les vidéos que j'ai sur que j'ai commencé à monter. Promis. Franchement, c'est promis. Là, j'en ai deux autres qu'il faut que je monte, donc je vais en profiter. Je vais le faire sous peu, je pense. Peut-être. Voilà. Surtout qu'on m'a offert une carte mémoire, donc je peux filmer plus longtemps. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous à vous et n'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux sociaux ou sur Tipeee si vous avez un petit peu d'argent pour moi, genre 1 ou 2 euros. Bisous à vous. Au revoir.